Souvent, on a une image pittoresque de ce que c'est qu'un agriculteur ou une image négative parce qu'on se dit que c'est des usines à animaux, alors que c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser rentrer Cameroun. Les agriculteurs ne l'ont pas facile depuis le début de la saison. Une pénurie de travailleurs et lors d'une sécheresse. C'est comme la cendre. Il y a 400-500 000 piastres de salade qu'on va perdre. Du jour au lendemain, tu sais même plus si tu vas être capable de payer ta fiente. 90 % du poisson qu'on mange vient pas du Québec. C'est un génocide tranquille de l'industrie. Chaque jour, il y a une ferme au Québec qui ferme ses portes. C'est vraiment pas drôle, là. Parce qu'à un moment donné, vos légumes, vous allez les acheter en Chine. Nourrir les gens, c'est la base de la vie. Il en va, selon l'UPA, de notre sécurité alimentaire. On va barrer les cours d'eau pour qu'on puisse pomper vers les champs. Ils nous interdisent de le faire, mais on le fait pareil. L'agriculture, c'est infiniment politique. La ministre, elle arrive. La vague de fond, il faut qu'elle vienne de la population. J'aimerais demander aux Québécois, est-ce qu'il y en a que ça vous tenterait de venir travailler dans nos champs? Ils ont fait deux jours et ils ont abandonné le travail. On n'arrive pas à cheville des travailleurs étrangers. Ils quittent leur famille pendant des mois. Ça peut aller jusqu'à deux ans. C'est un très, très grand sacrifice qu'ils font. C'est vraiment pas une décision facile là, d'avoir un lit de bébé à tuer à chaque dimanche après-midi. Hey! Là-bas! Hey! Ils sont passés là-bas, là! Hey! Il va manquer de points d'eau, il va manquer de points de nourriture. Je suis pas capable de fournir des épiceries. On n'a plus les ressources financières. On va crever, ça c'est la vérité. Le changement climatique, c'est à l'échelle mondiale. La réalité qu'on vit, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de la comprendre.